J'aimerais faire un peu d'entraînement avec vous. I'd like to do some training with you. Assoyez à cet entraînement que m'a fait avec vous. Tonight I'm doing some training with you. Sur la prière. On prayer. Assoyez à. Tonight. J'aimerais bon. Va me garder notre moins bien. J'aimerais bon 12 secrets. I'd like to give you 12 secrets. Qui pour permettre ou faire prier manche long. Allow me to pray long. Combien de monde qui d'accord avec ça? How many people agree with that? Prier manche long. Long prayers. Pour prier ou pas coûte. For your prayers not to be short. Pour capable que prier manche long. So you can have long prayers. Moi te dis comme ça en tant que chrétien. I said as believers. Gen prier qu'on fait qui coûte. There's some prayers you pray that are short. L'obral prier pour manger. Or you're going to pray for the food. C'est pas le ça pour prier et pas le ça pour prier pour les voyageurs de mer et de terre. That's not when you should pray for the travelers of land and sea. Et l'on a prié when you pray, pour manger. When you pray for food, moi-même, j'ai une prière me fait pour manger. I have a prayer for food. Prière pas très simple, c'est tout manger la caille chrétien béni. Amen. Is every food in the believer's house is blessed. Amen. Once I'm done saying that, I'm done praying. Lorsque vous priez pour manger, vous faites prière courte. When you're praying over the meal, you pray short prayers. Mais gain l'heure qui mandé pour une prière longue. There are times that requires long prayers. Gain de l'heure qui mandé une prière manche long. There are times that require long prayers. Gain victoire besoin, faut qu'à fond prière manche long. Some victories you need, you have to be able to pray long. Et il y a pile raison pour yon moun fè prier. Alors, bam djou ki sa ki yon prier manche long. Let me tell you what long prayers are. Yon prier manche long, c'est yon prier qui dure au moins une heure de temps. A long prayer is a prayer that lasts at least one hour. Yon prier manche long, c'est yon prier qui dure au moins une heure de temps. Long prayer is a prayer that lasts at least one hour. La Bible raconte dans la crucifixion de Jésus-Christ. The Bible talks about the crucifixion of Jesus. Il était invité disciples pour te prier avec lui. He invited the disciples to pray with him. La Bible dit dans nuit, yo t'ap crucifié li. The Bible says on the night they were about to crucify him. Il était passé nuit là à prier. He spent the night praying. Et l'été dit disciples veillez et priez avec. He told the disciples to watch and pray with me. Et puis chaque temps le vin coup disciples li joine disciples abdormi. Every time he went to the disciples he found them asleep. Nan troisième fois li vin devant yo. The third time he went to them. Nan Matthieu chapitre 26 verset 40. Matthew 26 verse 40. La Bible dit il vint vers les disciples. Then he came to the disciples. Il les trouva endormis. And found them sleeping. Et il dit vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. He said, could you not watch with me one hour? Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Could you not watch with me one hour? Il dit disciples, moi mandé nous pour nous prier avec. He said, disciples, pour I ask nous you veiller, for me, prier. To watch and pray. Mais il dit chaque temps venir me joindre nous abdormi. Every time I come I see you sleeping. Il dit nous pas qu'à frapper avec au moins pour une heure de temps. Couldn't you fight with me at least one hour? Donc si me comprendre bien, if I understand well, Jésus espérait que minimum que un chrétien t'a doué que capacité pour prier c'est une heure de temps. Jesus expects the minimum amount of hour you should pray is one hour. Chrétien t'a doué capacité minimum pour prier pour une heure de temps. Every believer should have at least the capacity to pray at least one hour. Donc c'est lorsqu'on prier pour une heure de temps qu'on y a commencé à entrer dans la prière manche long. It's when you're praying one hour, now you're starting to pray long. Dans pile raison qui fait un chrétien besoin faire prier manche long. There are many reasons why a Christian should pray one pas hour long. En pile temps pour m'entrer dans détail, yo m'ka seulement bon liste là. I'll just give you the list. I won't go même too much pas entrer dans détail yo, mais assoyez m'ta réellement faire entraînement avec. Tonight I just want to do the même training bon liste là rapidement. I'll give you the list quickly. En tant que chrétien, ou besoin faire prier manche long. As Christian, you need to pray long. Parce que gagnons gain choix que vous fait. Because there's some choices you're about to make. C'est dans prière manche longue ou gain révélation pour choix ça. Only through long prayers will you have revelation for that choice. La Bible dit dans Luc chapitre 6 le verset 12. In Luke 6 verse 12. Lorsque Jésus-Christ a choisi disciples. When Jesus was about to choose the disciples. La Bible dit comme ça, il se rendit pour la sur la montagne pour prier. He went up to the mountain to pray. Et puis la Bible dit il passa toute la nuit à prier and à Dieu. And he continued all night in prayer to God. Et puis verset 13, la Bible dit quand
quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. And he selected 12. Donc Jésus était un disciple que le tabouel choisit. Jesus was about to choose disciples. Avant de choisir disciples, ils font prier manche long. Before selecting the disciples, he prayed long. Ils passaient toute une nuit à prier. He spent an entire night praying. Avant que le fait choix disciple. Before selecting the disciples. Combien heures ou prier avant fait choix boyfriend ça? How many hours do you pray before you choose that boyfriend? Combien heures ou prier avant fait choix ménage ça? How many hours do you pray before choosing Combien that mate? Combien heures ou prier avant fait choix fiancé ça? How many hours do you pray before you go and betroth Combien someone? Combien heures ou prier avant fait choix mari ou bien madame ça? How many hours do you pray before choosing that wife or husband? Combien heures ou prier avant fait choix l'église ça? How many hours do you pray before choosing that church? Combien heures ou prier avant fait choix et business ça? How many hours do you pray before choosing that business? Eh bien, gain choix qu'on va le faire dans la vie. There's some choices you're about to make in life. Si vous voulez faire bon choix, faut font prier manche long. If you want to choose well, you have to pray long. On nous dit prier manche long. Say long prayers. Deuxième raison qu'il faut besoin faire prier manche long. Second reason why you need to pray long. C'est pour capable crucifier la chair. Is to crucify the flesh. La Bible dit au moment où Jésus-Christ t'a bralé à crucifié à la croix. At the time that Jesus was about to be crucified, il était devant coupe là, il était voulu back up. He got before the cup and wanted to back up. He wanted to give up. Il était voulu lâcher ça. He wanted to release it. Mais dans Luc chapitre 22 verset 44, but in Luke 22 verse 44, la Bible dit il priait étant en agonie, il priait plus instamment. And being in agony, he prayed more earnestly. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. And his sweat became like qui grapes tombaient par drops terre. That fell on the ground. Lorsque Jésus-Christ était devant la croix, when Jesus was facing the cross, la Bible dit qu'au côté de lui, il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. He said, Lord, if it be possible, remove ça this cup from me. La chair au côté de lui commençait à trembler devant la coupe là. That means the flesh started to shake la chair commençait à trembler devant devant crucifixion. The flesh started to shake before the crucifixion. Eh bien, l'aller dans la prière. Jesus went into prayer. Pour être capable de maîtriser la chair. To master the flesh. Donc, si vous avez besoin de maîtriser la chair. If you want to master the flesh. Vous avez des pensées bizarres. You have strange thoughts. Ou pas qu'à résister fornication. You can't resist fornication. Ou pas qu'à résister adultère. You can't resist adultery. Ou pas qu'à résister pornographie. You can't resist pornography. Ou pas qu'à résister une série de pensées drôles. You can't resist certain strange thoughts. Eh bien, prière manche longue. Long prayers. Ces types de prières, ça qui maîtrise la chair. Those are the ones who control the flesh. Jésus-Christ lui-même, c'est pas de pensée adultère. Jesus didn't have adulterous mais c'était thoughts. La peur qui t'est envahie. It was fear that overtook la chair him. Peur. The flesh il t'est maîtrisé weak. Cette peur and he controlled avec that fear prière manche longue. With a long prayer. Est-ce que ça va, chers amis? Is that all right, dear love? N'était qu'à bon pile l'autre raison encore. I can give you many other mais reasons. Bon troisième. I'll give you a third one. Troisièmement, ou besoin prier manche longue. You need long prayers. Pour capable anéantir une série d'ennemis. To destroy certain enemies. Une série de ennemis qu'on gagne qui allait y a calé y a tourné. There's some enemies you have, they leave and they come back. Ou a dit ennemi ça y a c'est l'enfant prodigue. It's as if they're the prodigal son. Y a quitté calé après ça y a retourné dans calé. They leave the house and they come right back. Donc gagne ennemi qu'on gagne. There's some enemies you have. T'as des faits va-et-vient dans la vie. Keep going back and forth in your life. C'est une prière manche longue. Only through long prayers. Qui pour éliminer ennemi ça à jamais. To destroy that enemy forever. La Bible dit Amalek t'a attaqué Israël. The Bible says Amalekite attacked et le Israel. Josué t'a boumé avec Amalek. And when Joshua was fighting la Bible the Amalekites, dit pour ça que Moïse montait sous tête montagne là. Moses went up the mountaintop. Et puis il levait main. And he rose his hand. Il priait depuis matin. He prayed from morning. Jusqu'au soir. Until night. À la fin, à la tombée de la journée. At the nightfall. La Bible dit comme ça. And the Bible que l'Éternel dit the, Moïse. The Lord said Moses. Ouais, Amalekites. You see those Amalekites. M'gain pour effacer yo, m'gain pour effacer la mémoire des Amalekites. I erase the memory of the Amalekites. Donc je dis ah. So today. Pas gagne une nation qui sous la terre les Amalek. No such nation called the Amalekites now. Nation éliminé. That nation was eliminated. À travers une prière manche longue. Through a long prayer. Des problèmes qu'a plein de faits va et vient dans la vie. There's some problems going back and forth c'est in your life. C'est pas une petite prière 5 minutes. It's not a 5-minute prayer. Mettez-le dehors. That will kick them out. C'est pas une prière 10 minutes. It's not a 10-minute prayer. C'est pas une prière 15 minutes. Not a 15-minute prayer. C'est une prière manche longue. It's a long prayer. Qui pour mettez-le dehors. That will kick them out. Si nous comprenons samedi à dire gloire. If you understood, say glory. Hallelujah. Give me a little bit more volume and a little bit more reverb.
OK, à soir. Well, tonight. Bon, quelques raisons. Est-ce que ça va? Is that all right? Nous commençons à comprendre. You start to understand. Donc, il y a un temps pour prier manche courte. There are time for short prayers. Il y a un temps pour prier manche longue. And a time for long prayers. Donc, 40 jours de jeûne comme ça. And 40 days of fast like this. Pour préparer ou pour prier manche longue. You have to be ready for long Donc, prayers. Donc, l'avait dit chaque soir. So each night. Faut venir avec disposition au moins pour prier une heure. Come for at least Est-ce que d'accord avec moi? Are you ready? Chaque soir. Each night. Faut venir avec disposition au moins pour prier une heure. You have to be ready to Maintenant, pray at least il one peut hour. Arriver que par souci de temps, nous pas gagner toute une temps, parce que ça son espace nous louer quand même, mais où doit disposer pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc au moins pour capable prier pour une heure de temps. Donc à soir, nous plus voulons entrer dans l'entraînement avec comment pour prier. Comment pour faire prier manche long? How to pray long prayers. Comment ou capable faire au moins une heure de temps dans la prière? How to spend at least one hour in prayer. All right. 12 secrets pour capable prier long. 12 secrets to praying long. Numéro 1. Number 1. Pour capable faire prier manche long. To pray long. Premier bagage qu'on besoin faire ou besoin apprendre prier avec pied. You need to learn how to pray with your feet. Ça c'est premier bagage, apprendre prier thing. Avec pied. Learn to pray with your feet. Ça important. This one's important. Parce que l'eau a prier. Because when you're praying, et pour seulement ou seulement chita, and you're seated, eh bien manque de mouvement, the lack of movement, eh bien qu'a fait fatigue plonger sous, can make you fatigue. Manque de mouvement capable faire, eh bien dormir plonger sous. The lack of movement will make Donc, you fall asleep. Lorsque on a prié, premier bagage qu'il faut prier longtemps, c'est l'on a déplacé. The first thing that makes you pray long is when you're moving around. Wap fait des mouvements qui aide. You're moving around and it will help you. Par contre, qu'on a regardé que les Juifs. I don't know if you've ever watched the Jews. Ils ont prié donc Gesaïrelé mur des lamentations. They have the wailing wall. Ou toujours des Juifs à prier devant. They're praying in front of that wall. Mais sous remarquer les Juifs ça ils prient ils toujours à déplacer corps comme ça. If you notice, they move their bodies like this. Raison fait à déplacer corps comme ça c'est pour fatigue pas prendre. Is so that they don't get fatigued. Pas prendre. That they don't fall asleep. Mouvement permet que y'aurait été alerte. The actions they apprendre prier avec pied. So learn to pray with your feet. Besoin qu'on ait pied au capable prier. You know your feet could pray. La Bible dit quoi ça l'œil au tap entré dans la ville de Jéricho. When the Jews was about to go into Jericho. La Bible dit yoté gagné pour yoté fait pendant 7 jours. They had to do it for 7 days. Mais pendant 6 premiers jours. But for the first 6 days. Yo pas prié avec bouche. They didn't pray with their mouths. Yoté seulement prié avec pied. They simply prayed with their feet. La Bible dit l'Éternel dit yo pendant 6 jours. The Lord said for 6 days. Il gagne dit en quel mot. Don't say a word. En y levé. Just get up. Et puis un silence complet. Complete silence. Et puis tout le monde a marché autour de mur. Everyone will walk around. Pendant qu'ils marchaient, ils ont prié. As they walking, they prayed. Mais c'est pas bouche qui a prié. But their mouths were not praying. C'est pas lèvres qui a prié. It were not their lips praying. Ça veut dire c'est pieds qui a prié. That means their feet were praying. Et sous septième jour la mur a tombé. On the seventh day the wall fell. Donc l'on a marché. So when you're walking, vous besoin connaître que pieds. You need to know your feet. Et bien capable prier. Can pray. Pendant qu'on marche, on va prier. While you're walking, you're praying. Le pied, on va prier. Le geste très symbolique. When your feet are walking, it's a very symbolic gesture. Le pied, on va prier. When your feet are praying. Ça veut dire qu'on prend territoire pour bon Dieu. You're taking over territory for Jesus. Bon Dieu t'a dit Josué. God told Joshua. Tout côté pied, on va fouler. Wherever your feet trod. Ma baoul comme héritage. I will give you as an inheritance. C'est ça fait avant qu'ils arrivent à Jéricho. Before they got to Jericho. Et bien dit, on marchait tout autour de Jéricho. Walk around Jericho. Parce que pied, on. Because your feet. Mon puissance libre à libérer. Will free Donc, of power. Donc l'on va marcher. When you're walking. Intention. Intentionally, Donc, son prière, it's a prayer. Moi-même, une autre type de prière, j'aime en pile. One of the prayers I love a lot. C'est ça, m'appelle les marches de prière. Is when I say a prayer walk. Prayer walk. Prayer walk. Marche de prière. Prayer walk. Toute zone ça là. All this town here. Zone ça là. This area here. Ces zones où t'es qu'on marche prier là-dedans. Are areas that I used to walk Son and pray in. Son bagage bizarre. It's a strange thing. Moi, remarqué que toute zone où t'es qu'on marche prier là-dedans. I noticed all the areas that I used to walk and pray in. Ces zones côté bon Dieu bail comme héritage. They're the ones that God gave me as inheritance. L'étape marche pas même rendre moins compte de ça. I didn't even realize. Bon Dieu était seulement relé dans mi-temps nuit pour marcher. God called me in the marcher dans toute zone ça et puis prier dans zone ça. Et zone ça me t'ai prié toute 125 ans toute zone ça là me t'ai marcher prier dans mi-temps nuit. I used to pray in the middle of the night at 125th Street. Et puis il arrive c'est là que l'église là explosé. And it happened that's where the church exploded. C'est là que différents monde venir. Là l'église a t'ai 12 monde. When we had 12 members. Nous t'ai marcher prier dans zone ça. We were walking and praying in the area. Et puis bon Dieu bail des milliers de personnes dans zone ça. God gave thousands of souls in that area.
zone de konal marché prier encore. There's another area I used to walk and pray. De konal marché prier bozone 159 yo 160. Right 159th street. Et il arrive côté de konal marché prier bozone 159 160 là. And the 159 160th street. Je dis à la nouvelle église la Bralie. Today that's where the new church will be. Ça veut dire dans zone ça bon Dieu Bralie. That means that land God already gave it. De seulement marché prier. I was just walking and praying. L'aime dans New York. When I was in New York. Mon côté me te konap marché prier. There's a place I used to walk and pray. Bon la caille moi dans York College. Nearby my house. De kon marché dans zone là prier. I used to walk in the area. Let TG New York bal ouvert. When TG New York was about to be open. Jodi a TG New York nan espace côté de konap marché prier. New York is in that space I used to walk and pray. Are you with me so far? Est-ce qu'on avait jusqu'à présent? Are you with me so far? Même là me te petit l'école. Even when I was small in school. De kon zone Boisvena. I used to be in Boisvena area. Laisse pas kon trop dans la prière. I didn't know too much about prayer. Mais c'était zone de kon marché également. But I used to walk also. Jodi a c'est la TG Boisvena. That's where TG Boisvena is now. Bon bagaille loi marcher dans zone Boisvena. There's something about walking and praying in an area. Does the church hear me? Something about walking and praying in an area. You should be conscious when you're walking in an area. You're taking territory for God. When you're walking in an area, you're taking that space for God. Is the church with me? Raise your hand and say glory. While I'm teaching tonight, let's practice. I gave you the theory, let's practice now. Now everyone stay to your feet, just walk. Just start to walk. Start to walk. While you're walking, you need to know you're taking territory. You're snatching territory, snatching territory. You may not say a word. You may not say a word. But the fact that you're just walking, your feet are praying. Hey, just walk for about 15 minutes. Même si vous pas dit rien. Even if you don't say a word. Ça veut dire dans zone bon la caille. In your neighborhood. Même là petit jogging. Even if you're jogging around. Et vous passer dans zone dans petit à petit. Vous besoin connaître tout monde a fait jogging. Everyone is jogging. Mais vous même pied à prier. Your feet are praying. Levez-moi les dix gloire. Raise your hand and say glory. Dis gloire. Say glory. Dis gloire. Say glory. Vous capable chita. You may be seated. Première façon pour prier long. First way to pray long prier avec pied. Is when you pray with your feet. Parce que pas doit prier avec pied. While you're praying with your feet. Saisir territoire pour bon Dieu. Taking over territories for God. Deuxième technique capedo prier long. Second technique to praying long. Deuxième technique capedo prier long. Second technique to praying long. C'est l'on prier avec main. Is when you pray with your hands. Vous priez avec main. You pray with your hands. Regardez qui ça la Bible dit dans Josué chapitre 6. Joshua 6. Le verset 7. Verse 7. Dans Josué chapitre 6 le verset 7. Joshua 6 verse 7. Pas Josué 6 verset 7, c'est dans Psaume 141 le verset 2. Rather Psalms 141 verse 2. Psaume 141 verset 2. Psalms 141 verse 2. Lui dit comme ça que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Let my prayer be set before you as incense. Et puis il dit l'élévation de mes mains. The lifting up of my hands. Comme l'offrande du soir. As the evening sacrifice. Que ma prière soit comme de l'encens. Let my prayer be like incense. Et l'élévation de mes mains comme de l'offrande. The lifting up of my hands be like incense. Ça veut dire mains sont capables de prier. That means your hands could pray. Mains sont capables de prier. Your hands could pray. La Bible dit l'heure où lever mains devant mon Dieu c'est une offrande. When you lift your hands before God it's an offering. La Bible dit l'heure Israël t'as dans la guerre contre les Amalekites. When the Israelites went against the Amalekites. Eh bien Moïse pas répété en ken parole. Moses didn't say a word. Il a dit seulement camper sous tête montagne là. He just stood on the mountaintop. Avec deux mains levées en l'air. With both hands lifted in the air. Et puis même Moïse a prié. His hands were praying. Parole n'a pas dit en quel somme lui réciter. So words, he didn't say any words or any words that he used. Seulement mains levées. Just his hands were lifted. Et puis mains priaient. And his hands were praying. Vous besoin connaître que mains sont capables de prier. You need to know that your hands can pray. Comprendre ça dit à dire gloire. If you understood what I said, say glory. Donc on y a nous va faire deuxième partie exercice là. We're going to pray the second part of the exercise. You're going to stand and walk. Mais pas droit marcher, on va commencer battre mains devant mon Dieu. As you're walking, you're going to clap before God. Just stand, 1, 2, 3, levez vos mains. Commencez à marcher puis battre mains devant mon Dieu. Clap, 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 clap. Ou besoin de rendre compte ou qu'elle doit pas dire rien. You may realize you don't say a word. Just clap your hand before God. Son prière, oui, qu'a fait là. You're praying a prayer now. Pendant que marche, on bat mains. While you're walking, you're clapping. Ça veut dire mains ont prié. That means your hands are praying. Ça veut dire pieds ont prié. Your feet are praying. Même si vous pas dire rien. Even if you don't say a word. Ça veut dire mains ont prié. Your hands are praying. Ça veut dire pieds ont prié. Your feet are praying. Ça veut dire mains ont prié. Your hands are praying. Ça veut dire pieds ont prié. Your legs are praying. Continuez à marcher comme ça pour 10 secondes. Keep walking like this for 10 more seconds. Marchez dans la cala, marchez dans la cala. Walk in your house. Walk in your house. Marchez dans la cala, marchez dans tout le campus. Walk in all the campuses. Woo! Kemela, kemela. Keep it going. 5 secondes encore. 5 more seconds.
Oh yes. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Capable chita. You may be seated. C'est deuxième bagage qui aide au fait prier marche long. Second thing that helps you pray long. Les pieds va prier et puis main va prier. When your feet are praying and your hands are praying. Troisième bagage. The third thing. Cap aide au fait prier marche long. Which will help you pray long. C'est l'heure où prier la parole de Dieu. It's when you pray the word of God. Est-ce que t'entends ça m'a dit hein? Did you hear what I said? Où prier la parole de you Dieu. You pray the word of God. Non, Matthieu, l'aime prier la parole de Dieu. We're praying the word of God. Particulièrement les psaumes. Especially the psalms. Particulièrement les psaumes. Particularly the psalms. Sous remarquez à la croix. If you notice at the cross. Lorsque Jésus était à la croix, il a prié. When Jesus was praying on the cross. Il était prié la parole de Dieu. He prayed the word. En pile fois, nous pas prier long. Oftentimes we don't pray long. Parce que nous pas gain assez de paroles pour nous prier. Because we don't have enough words to pray. Mais ou pas obligé que ces paroles pas ou pour prier. But you don't necessarily have to use your own words to pray. Ou prier la parole de Dieu. You can pray the word of God. Bible a gain trois paroles pour prier. The Bible has so many words for Bible you to pray. Bible a trois versets pour prier. You have too many verses for you to pray. Donc vous obligé c'est vous-même qui joignez toutes paroles. Why do you have to come up with all the à words? À la croix. At the cross. Jésus t'a prié la parole. Jesus prayed the word. Dans Matthieu chapitre 27. Matthew 27, le verset 46. Verse 46. Lorsque il a crucifié Jésus, when they were crucifying la Bible Jesus, dit vers la neuvième heure, and about the ninth hour, Jésus cria d'une voix forte. Jesus cried with a loud Eli, voice. Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Qui signifie Père? Which means Father. Père, my God. Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken me? Ça son prière Jésus t'a fait. It's a prayer Jesus prayed. Mais qui côté Jésus t'a joint prière where ça? Where did he find that prayer? Il t'a joint dans le psaume 22 verset 1. Psalm 22 verse 1. Mettez le psaume 22 verset 1. Psalm 22 verse 1. Donc côté libéral dit dans le psaume 22, la dit même bagaille là. The same thing. C'est ça mon Dieu, my God, my God. Pourquoi m'as-tu abandonné? Why have you forsaken ça me? Ça veut dire là Jésus était à la croix. When Jesus was at the cross. Eh bien prière que le fait. The prayer he prayed. Jésus t'a prié les psaumes. He prayed the psalms. Donc un moment qui est terrible dans la ville. At the most moment perfect, qui est critique. The critical moment Jésus in his life. Jésus t'a prié la parole. Jesus prayed the word. Et puis Jésus t'a prié les psaumes. And he prayed the psalms. Donc ou même ou pas obligé toujours chercher joindre un paquet de mots. You don't have to always si find the mot, words. Si c'est mot pas après 10 minutes ou pas bien mot encore. If it's your own words after 10 minutes, minutes you're going to run out. Or you're going to 15 minutes, minutes you will run out of words. Mais 30 si minutes. Mais si prier la parole ou pas une journée à prier. If you're praying the word, you can spend a whole day praying. Les psaumes ou qu'à faire une journée à prier. If you're praying the psalms, you can spend a whole day praying. Donc premier bagage, prier avec pied. The first thing you pray with your feet. Ou prier avec main ou pendant déplacer. Your hands while you move. Un mouvement qui pour qu'un to keep you active and awake. Après ça, qui compte au bras joindre parole? Where are you going to find the words? Ou bras joindre parole dans la parole de Dieu. You're going to find the word in the word of God. Ou bras parole dans la parole de Dieu. You find the word in the word of God. Donc ça c'est troisième bagage qui va aller d'eau prier long. The third thing that will help donc nous bras repartir là encore. We're going to go again. Donc nous bras l'entraîner avec le psaume 68. We're going to train with Psalm 68. Mettez Psalm 68 verset 1. Psalm 68 verse 1. Psalm 68 verset 1. Psalm 68 verset 1. Psalm 68 verse 1. Dieu se lève. God arise. Ses ennemis se dispersent. Let his enemies scatter. Et ses adversaires fuient devant sa face. And those who hate him flee before him. Ça lui-même pour contenir son prière. This alone is a prayer. Pas besoin de chercher mots. You don't need to find words. Prends Psalm 68. Just say Psalm 68. Et puis commencez à répéter ça. And start repeating the words. Dieu se lève. God arise. Ses ennemis se dispersent. His enemies scatter. Et ses adversaires fuient devant sa face. Those who hate him flee before him. Are you with me? Dieu se lève. God arise. Ses ennemis se dispersent. His enemies scatter. Et ses adversaires fuient devant sa face. Those who hate him flee before him. Comptez de 1 à 3. I'm gonna count 1 to 3. Tu vas lever campé, tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à battre et tu vas répéter paroles ça. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prêt? 1, 2, 3. Commencez à marcher, commencez à marcher. Start walking. On allez, répétez ça, répétez ça, répétez ça. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Très facile, Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Frappez, 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 répétez ça. Yes, 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 yes. Ah.
Marche dans tout le temps, marche dans tout le temps. Walk in your house. Dieu se lève. The God arise. Ses ennemis se dispersent. His enemies scattered. Et ses adversaires fuient devant sa face. Marche dans tout le temps, marche dans tout le temps. Prends tellement ça. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au Kabamchi. You may be seated. Premier bagage nous dit qu'on peut prier long. The first thing we said that will help you pray long. C'est prier avec pied. Is praying with your feet. Deuxièmement, prier avec main. Second, pray with your hands. Troisièmement, prier la parole. Third, pray the word. Troisièmement, prier la parole. Third, pray the word. Et songez-le à prier la parole. Remember when you pray the word. Ou mettez les anges en activité. You put the angels in motion. Parce que la Bible dit les anges obéissent à la voix de the sa Bible parole. Says the angels obey the ça word c'est of l'autre his raison voice. Qui fait ou besoin prier la parole. That's another reason you need to pray soit the word. Prier parole parle. If you're praying your own word. Les anges ne doivent pas mouvre. The angels may not mais be in motion. Mais soit prier la parole but de if Dieu. You're praying the word of God. Les anges yo mettez yo en activité. The angels are active. Là va prier. When you're praying. Donc quatrième bagage capedo prier longtemps. The fourth thing that c'est ça, c'est quatrième, sous quatrième moyen, n'est-ce pas? Yes. Quatrième bagage qui peut prier longtemps. Fourth thing that will help you pray long. Prier à haute voix. Pray out loud. Prier à haute voix. Pray out loud. Regardez qui ça la Bible dit. Look at what the Bible says. La Bible a parlé là. The Bible is talking. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5 verset 7. In Hebrews 5 verse 7. Dans Hébreux chapitre 5 verset 7. In Hebrews 5 verse 7. La Bible dit c'est lui qui dans les jours de sa chair ayant présenté, regardez qui ça le dit, il dit avec de grands cris offered prayers with great et avec des larmes and vehement cries, des prières et des supplications prayers and supplication, à celui qui pouvait le sauver de la mort. To those who là, elle a parlé de Jésus. He's talking about Jesus. La Bible dit comme ça, le Jésus t'est prié, il t'est présenté avec de grands cris, he presented with great cries, avec des larmes de, avec larmes de des prières with tears et des supplications. And supplications. Donc ça veut dire, tu priais, Jésus t'est fait. Yo. That means the type of prayer Jesus c'est pas tu priais. Et pas tu prier petit que yoté. They were not small prayers. Pas tu prier petit que yoté. They were not little tiny la Bible dit prayers. Te prier avec de grands cris. The Bible says he prayed out loud. Ça veut dire quatrième bagage. The fourth thing. Qui est de prier. That helps you pray c'est leur prier à haute voix. Is when you pray out loud. Leur prier à haute voix. When you pray out loud. Gen moun ki di comme ça et bon Dieu pas sou. Some people say God is not deaf. Pour qui ça ne besoin prier fort comme ça? Why should we pray out loud so loud? Eh bien posez Jésus même question. Ask Jesus the same question. Pour qui ça, bon, si bon Dieu pas sourd, if God is not deaf, nous pas besoin prier haut. We need, no need pour to pray qui ça, Jésus loud. Te prier avec de grands why cris. Why did Jesus pray with great? Parce que l'orgon dossier dans mes qui est important. When you have such an important case before you, ou pas qu'à prier en silence. You can't pray in silence. Ou obligé lever voix haut. You have to lift up your voice real loud. Parce que dossier est important. Because this case is important. Quatrièmement, prier à haute voix. Fourth, you pray out loud. Donc, compter de 1 à 3 et vous bras lever encore au bras lever ou prier avec main ou bras prier avec pied ou bras prier avec pied ou bras répéter le psaume 68 verset 1er mais cette fois vous bras dire la haute voix même Jean Jésus le fait avec grand cri. Est-ce qu'on prêt? Are you est-ce qu'on prêt? Are you ready? Est-ce qu'on prêt? Are you ready? 1 2 3 3 levez le cap et commencez à marcher. Start walking. Let's go. Répétez-le bien fort. Repeat répétez it out bien loud. Fort. Real loud. Répétez-le. Dieu se lève. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève. 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 Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient. Aïe, 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 Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Vous capable de retourner au nom de Jésus. Cinquième technique. Fifth technique. Cabedo prier pendant longtemps. To help you pray long. Bon, moi, est-ce qu'on avait jusqu'à présent? Are you with me so far? Premier, on dit qu'on ça, c'est prier qui ça?
The first one is what? Pray with your Deuxièmement, feet. C'est qui ça? Second. Pray avec main. Pray with your hands. Troisièmement, c'est qui ça? Third is what? Prier là-bas. Pray. Quatrièmement, c'est qui ça? Fourth. Prier à haute voix. Pray Cinquièmement. Out loud. Fifth. Prier avec force. Pray with power. Prier avec force. Pray with power. Dans Luc chapitre 22 verset 44. Luke 22 verse 44. Le Jésus t'a parlé de la prière. Luc a parlé de la prière de Jésus au jardin de Gethsémani. Luke was talking about the prayer of Jesus at the Garden of Gethsémani. Étant en agonie, and being in agony, il priait instamment. He prayed earnestly. Instamment. Earnestly. Et la Bible dit sa sueur devient comme des grumeaux de sang. And his sweat was like great drops of blood. Il priait instamment. Do you know what earnest prayer is? Il priait avec force. He prayed with strength. Il priait avec force. He prayed with strength. Donc c'est ça, ça veut dire prier avec instance. That's what it means to prier pray with de instance. Manière pressante. Pray, press. Prier tant qu'on emergency. Pray like it's urgent. La Bible dit Jésus était tellement à prier avec force. Jesus prayed with such strength. Et bien la prière a commencé à souhaiter. He started to sweat. Et dans souhaiter. And on his sweat. Il vit tant qu'on des gribots de sang. It was like sweat il of blood. Il pria avec instance. He prayed earnestly. Il pria avec force. He prayed with strength. Il pria de manière pressante. He prayed pressingly. Ça veut dire lorsqu'on bagage qu'on besoin régler avec when bon you Dieu. Lorsqu'on dossier sérieux. When you have a serious case. On va qu'à prier passif. Si ça arrive, il arrive. If it happens, it happens. S'il pas arrive, il pas arrive. If it doesn't happen, so Jésus what? Pas oublié, non. Jesus, don't forget about me. Il pria avec instance. The Bible said Jesus prayed earnestly. Il pria instamment. He prayed with earnestness. Il priait avec force. He prayed with C'est strength. Même pas dans la Bible dit tout par rapport à Élie. The same thing with Elijah. Dans le livre de Jacques, le dernier chapitre. In the last la Bible chapter of dit, James. Élie c'était un homme tant que nous-mêmes que le théier. The Bible says Elijah was Mais one Bible such dit, as I. Il pria instamment. And he prayed with earnestness. Et puis il fermait ciel. And he shut up the heaven. Et puis il priait avec force and encore. He prayed with strength again. Et puis il ouvrait and ciel. And he opened up the heaven. Donc cinquième prière, the secret fifth, pour prier longtemps. The second tip to Et bien c'est long pour prier avec force. Is to pray with strength. Nous dit premier secret, c'est qui ça? What was the first secret? Prier avec pray. Pied. Au deuxième with secret, c'est qui ça? Second with your prier avec main. Au troisième your secret, c'est qui ça? Third. Prier la parole. The quatrième word. Secret, c'est qui ça? Fourth. Prier qui ça? Ok, à haute voix. Out loud. Cinquième secret, c'est qui ça? Fifth. Prier avec with, force. With strength. Alors, je compter de 1 à 3. On va faire même prier encore. Mais pour donner l'album force là-dedans. Au nom de Jésus de Nazareth. 1, 2, 3. On nous lève et clapons. Commencez par chez Batman. Commencez par Batman. Dieu se lève. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, 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 ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face, marchent dans toute salle là, marchent dans toute campus, marchent dans toute caille, marchent dans toute zone là, mettez force dans prière, mettez instance dans prière, déclarez pour mon Dieu lever là, déclarez pour lever, déclarez pour lever, déclarez pour lever, fais ça. Frappe, frappe, ma bonne 30 secondes encore pour frapper. Avec force. With earnesty. Marche battement, marche battement, frappe, marche battement, frappe, marche battement, frappe. Marche battement, frappe, marche battement, frappe. Marche battement, frappe, marche battement, frappe. Walk and clap and pray. Oh yes! Oh yes! Au nom de Jésus. In Jesus' name. Kabab Shita. You may be seated. Bon, 5 secrets jusqu'à présent. I've given you 5 secrets so far. Il faut prier longtemps. To help you pray long. Premièrement, prier avec pied. First, pray with your feet. Deuxièmement, prier avec main. Second, pray with your hands. Nous dit troisièmement, prier. Third. La parole. Quatrièmement, prier. Fourth. À haute voix. Cinquièmement, prier. Fifth, pray. Avec force. With strength. Et sixièmement. Sixth. Sixièmement, the sixth one. Priez les mêmes paroles. Pray the same words. Priez les mêmes paroles. Pray the same words. Ou pas besoin d'un paquet de paroles pour you prier. You don't need a whole bunch of words to pray. Ou que doit avoir même paroles là. You may have the same Et words. Et pour qu'embelle dans prière pendant longtemps. And you keep it in your prayer for long. Regardez qui ça, la Bible dit par rapport à Jésus. Look at what the Bible says about non, Jesus. Matthieu chapitre 26. Matthew 26. Le verset 44. Verse 44. Le Jésus t'a prié au jardin de Gethsémani. When Jesus was praying in the garden la Bible of Gethsemane, dit, il les quitta.
he left them et s'éloignant, and went away. Il pria pour la troisième fois. He prayed the third time. Répétant les mêmes paroles. Saying the same words. Répétant les mêmes paroles. Repeating the same words. Jésus fait nuit là à prier même parole. Praying the same words. Donc, ou pas besoin son l'autre parole qu'on a besoin. You don't need a new word. L'Éternel qui a bon une seule parole. The Lord could give you just one word. L'Éternel qui doit bon une seule parole. He may give you just one et puis, word. Et parole l'a fait prier pendant toute journée. And that prayer becomes your prayer. Est-ce que l'église avait? The whole night. Are you with me? Levez-moi les dix gloire. Raise your hand and say glory. Donc, on nous refrappe encore. So on va le compter de again. Un à toi. I'm gonna count one et vous allez répéter les mêmes paroles avec force. With un, deux, one, trois. Two, levez campé. Dieu se lève. Dieu se lève. God arise. Dieu se lève. Frappez. God arise. Fight. Je se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Ou pas besoin plus de paroles que ça. Ou pas besoin plus de paroles que ça. Ou pas besoin plus de paroles que ça. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève. 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 Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Frappez, frappez, frappez. Ma porte 10 secondes encore. Au nom de Jésus. Combien de baoula? M'bon 6 secrets. I've given you 6 tips. C'est pas ça? M'bon 6 secrets. 6 secrets. Pour capable prier longtemps. To be able to pray long. Qui ça y est encore? What are they? Prier avec pied. Pray with your feet. Deuxièmement, qui ça? Second. Prier avec main. Pray troisièmement, qui ça? Third. Prier la parole. Pray quatrièmement, qui ça? Fourth. Prier à haute voix. Pray out loud. Hein? Cinquièmement, c'est qui ça? Fifth. Prier avec force. Pray sixièmement, c'est qui ça? Priez les mêmes paroles. Septièmement. Ça cap edo encore. Ça cap edo. Septièmement. Priez en esprit. Pray in the spirit. Priez en esprit. Pray in the spirit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthians 14. L'apôtre Paul dit. The Apostle Paul says. Que faire donc? What is the conclusion? Il dit, mais je prierai par l'esprit. I will pray with the spirit. Je prierai aussi par l'intelligence. And I will also pray with understanding. Je prierai par l'esprit. I will pray in the spirit. Je prierai aussi par l'intelligence. And also with intelligence. Donc, septième secret qu'a pédo prié pendant longtemps. Seventh secret to praying. C'est leur prier en esprit. Is when you pray in the spirit. Prière en esprit, c'est langage spirituel que bon Dieu baou. The praying in the spirit is the spiritual language God gives you. Le baptiso du Saint-Esprit libore ton langage spirituel. When he baptized you with the Holy Spirit, he baptized tout you with chrétien t'a supposé un langage spirituel. Every Christian should have their spiritual language. Donc, li extrêmement important. It's extremely important. Parce que la Bible dit qu'on ça l'un a prié en esprit. The Bible says when we pray in the spirit, intelligence nous stérile. Our understanding ça veut dire pas comprendre rien. That means it doesn't mais dit en esprit. But it says in the spirit. Ou dit des mystères. You're saying mysteries. Regarde, bam, 1 Corinthiens chapitre 14. First Corinthians verset 14, 1er. Verse 1. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. First Corinthians 14, le verset 1er, il parlait du mystère. Talking about the mysteries. De la prière en esprit. Bam, verset 2. Spirit, verse 2. OK, verset 2. Il dit, mais en effet, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. L'on va prier en esprit, l'on va prier en d'autres langues, ça veut dire que c'est des mystères que l'on va parler. You're speaking in mysteries. Donc soit comprendre dans même passage là. In the same passage, la Bible dit là on a prié en esprit. The Bible says when somebody's praying in the spirit, intelligence li stérile. Their understanding is ça veut dire man li stérile. That means their mind is not working at work. Mais la Bible dit en esprit la Bible dit des mystères. But in the spirit they're saying mysteries. Yo te fait yo analyse. They did an analysis. Des scientifiques te fait yo analyse sur moun ka prier en d'autres langues. Scientific analysis of people et puis yo te mette yo dans laboratoire. And they place them in a lab. Quoi qu'a une vidéo sur YouTube. You can find the video on YouTube. Le yo moun a prié en d'autres langues. When somebody is praying in tongues. Généralement le yo moun a parlé. Generally when somebody is speaking. Le yo moun a parlé. When somebody is speaking. Yo ouais activité dans
dans cerveau li. They see activities in their partie devant dans cerveau a yo wè activité. In the frontal lobe, they see the activities going on. Et puis yo dit comme ça que yo bral tester. And they say they're going to test. Moun ka prier en d'autres langues. Those who are praying in tongues. Et puis à leur grand étonnement, leur yo mette moun sa yo dans machine. To great surprise when they put them on their scanner. Parti qui responsable la parole dans cerveau yon moun. The part that's responsible for speech in leur la prier en d'autres langues. When they're praying in tongues. Parti ça apparaît. Parti ça pas li pas rapporter activité. This part is not reporting c'est, any activity. C'est quand coup pas grand rien qui passer là-dedans. Because if there's no activity in tandis that area, parlé. Yet the person is speaking. Donc yo di moun ça supposé a parler à partir de yon l'autre côté. This person is speaking from another part. Parce que là on va prier en esprit. Because when you're praying in the en spirit, réalité ou pas prier à partir de là. In reality you're not praying from here. À partir de là. You're praying from here. Qui est le centre de l'esprit. Which is the center of the vous spirit. Vous ça la remember tête. I told you that the mind, le cerveau c'est le centre de l'âme. The brain is the center of mais the soul. Le centre de l'esprit c'est là. L'on va prier en esprit, parole là a sorti là. When you're praying in the spirit, the word et puis là, c'est des mystères que cerveau pas comprendre. Mais il y a une bagaille que l'on prie en esprit que le fait. Non seulement le permettre que cerveau repose, non seulement le permettre qu'on prie des mystères, or to pray mysteries, mais lui permettre en quelque sorte que cerveau repose et tout. To a certain extent, your donc, brain is at rest c'est ça que fait. Il y a un monde qui a prié en d'autres langues. That's why when somebody is praying in tongues, l'a prié plus longtemps. They can pray longer que yon moun ka priye en langue normale. Than someone who's praying in their parce native que moun ka priye en langue normale nan cerveau the person who's praying in regular language a fait un pile activité. The brain is really active. Cerveau pa gen chance pou le reposer. It doesn't have a chance to rest. Conséquemment, li moins conséquemment il vient prier moins. Donc il y a une bagaille qui permet de prier en longtemps c'est loi prier en d'autres langues. One of the things that allows you to pray long is to pray in tongues. Donc tout le monde qui poko gagne langue spirituelle parle. Everyone who does not have their spiritual tongues yet. Ou besoin prier que bon Dieu ba ou. You need to pray that God gives you one. Mardi mercredi si Dieu le veut. Wednesday night Lord willing. Le nous vini. When we come, mercredi soir, Wednesday night, tout moun ki poko genye langue spirituelle pa yo. Everyone who does not have their spiritual ki poko genye langue de prière pa yo. Who does not have their praying mercredi soir, yet, Wednesday night, après m'fin enseigner, after teaching, m'a demandé bon Dieu pour le bon langue spirituelle au nom de Jésus. Combien moun ki d'accord avec ça? Mercredi soir, on a fait pour ça. Donc passez journée dans le jeûne et puis demandez Seigneur, baptisez-moi de ta puissance. Accordez-moi le don d'avoir mon langage spirituel. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc septièmement, nous dit prier en esprit. Donc nous allons faire entraînement ça à Kounia. Donc si vous avez une langue spirituelle, si vous avez une langue spirituelle, vous allez prier en d'autres langues. Si vous avez une langue spirituelle, vous allez seulement lever, vous allez dire merci Jésus parce qu'on va moins déjà. Vous allez dire merci Jésus parce qu'on va moins déjà au nom de Jésus de Nazareth. Même vous faites entraînement au nom de Jésus. Vous allez compter de 1 à 3. Le livre de 1 à 3, vous allez faire même bagaille là. Et pour le vous allez commencer à battre. Mais au lieu de prier en verset, ou bien prier en d'autres langues, ou bien prier en esprit, au nom de Jésus de Nazareth. 1, 2, 3. Levez, au nom de Jésus. Commencez maintenant. Rabasokora. I need the prayer team on the stage. Limako rabatakataba shakataya. Rebatamayako rabatakai. Shimaroto kota shakataya. Rabababakatabayetabayida. Samakura batakatabaya. Yemashakataya, risatakati, shemakara kataya, rabakur rebetayata, kimashakatayatar, rebatakatabashakataya, remamamakatabaya, oshakataya kataya, ribese kataya. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name of Nazareth. You may be seated. Septième bagage cap edo prier. Seventh thing that will help you moi pray fin bon sept bagage cap edo prier pendant longtemps. I've told you seven things that will help au you pray au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name of Nazareth. Est-ce que nous avons jusqu'à are présent? Are you with me so far? Premier bagage cap edo prier en longtemps c'est qui ça? First thing. Prier avec pied. Deuxième bagage c'est qui ça? Second. Prier avec main. Troisièmement c'est qui ça? Third. Prier la parole. Quatrièmement c'est qui ça? Fourth. Prier à haute voix. Cinquièmement c'est qui ça? Fifth. Prier la parole. Sixièmement, c'est qui ça? Prier en esprit. Septièmement. Septièmement. C'est prier avec intelligence. Is pray with understanding. C'est qui va nous y aller? Huitièmement. Huitièmement, c'est prier avec intelligence. Pray with intelligence. Huitièmement, prier avec intelligence. Pray with intelligence. Maintenant, la Bible dit the Bible says, que celui qui parle en d'autres langues may the one who speak in other tongues a prié pour qu'il
interprète. May they pray that to que celui qui parle en d'autres langues the one who speak in prie tongues, pour qu'il interprète. Pray that they can interpret. Donc cela veut dire that means, lorsqu'on va prier en d'autres langues, when you're praying in tongues, quand on va prier en d'autres langues, as you're praying in tongues, faut demander bon Dieu tout you must also ask God, pour permettre ou comprendre to allow you to understand, ça qu'on va dire. To understand what you're saying. Souvent, demander bon Dieu pour aider à comprendre ce qu'on va dire. If you ask God for help to understand soudainement, what you're saying, on va commencer à comprendre ce qu'on va dire. Suddenly you start to understand what you're saying. Soudainement, on va comprendre ce qu'on va dire. You'll start to understand what you're saying. Lorsqu'on va prier en d'autres langues, when you're praying in tongues, ce ne sont pas les mots qui sont traduits. It's not the words that you can translate. C'est le son qui est traduit. It's the sound that's translated. Lorsqu'on va prier en d'autres langues, when you're praying in tongues, message qui va en d'autres langues. C'est pas surtout moyo qui signifie quelque chose. C'est son qui a sorti. Cet esprit Abdou ça le signifie. Et puis qu'on y a l'homme en d'elle, ou a prié en d'autres langues, ou dit Seigneur, aidez-moi à comprendre ça m'a dit. Et puis qu'on y a bon Dieu, bon interprétation. God will give you the interpretation. Et puis qu'on y a commencé à prier interprétation. Now you're going to pray according to the ça veut dire qu'on y a prié avec intelligence. That means you're praying with est-ce que nous comprenons ça m'a dit? Hein? Donc c'est ça que fait l'apôtre Paul dit là. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15, il dit je prierai par l'esprit et puis il dit je prierai aussi par l'intelligence. Donc son bagage qui est très très simple. Là on va prier en d'autres langues. Seulement demander bon Dieu pour aider à comprendre ce qu'on va dire. Et soudainement on va prendre compte que ça va soudainement on va prendre compte qu'on comprend ça va dire. Suddenly you understand what you're saying. Maintenant lors comprendre ce qu'on va dire, ou besoin agir par la foi. You need to move by faith. Puis simplement dit c'est moi-même qui a imaginé des choses. Don't just say I'm imagining things. Ou besoin quoi par la foi. You need to believe it by faith. Parce que toute bagarre dans la vie chrétienne est faite par la foi. Everything in the Christian comment, faith walks by faith. Comment vous acceptez Jésus? How do you accept Jesus? Par la foi. By faith. Message t'es prêché. And the message et pour faire prière. And you pray et puis prayer. Dit, à partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui they say, from today nom on, écrit dans le livre ciel là. Your name is written in the heavens et puis book. Quoi? And you believe et puis it. Toute la vie a changé. All your life has changed. Même Jean ouais, accepter Jésus fonctionner par la foi. Just like accepting Jesus, tout ce qu'on fait faith, dans la vie chrétienne, il fonctionne par la foi. Everything you do in a Christian donc faith, souvent, demande Dieu pour interprétation, soit dit. If you ask God for the et soudainement, qu'on y a ou commence à tendre des pensées, and now you start to des hear paroles, thoughts, some words, qu'ap dit ou ça va dire dans la langue parle. Telling you what you're saying in your puis own language. Commence à douter pour dire peut-être ça c'est propre parole pas. Don't start doubting that ou besoin qu'elle par la foi. You need to believe it by et faith. Commence à prier maintenant ça qu'on recevoir par la foi. And now start to pray by au nom faith, de Jésus de Nazareth. In Jesus' name donc of nous dit, c'est ça, huitièmement, c'est ça? Eighth, right? Prier avec intelligence, c'est pray ça? With understanding. Huitièmement, on a prié avec intelligence. Donc on va le faire, même bagarre là encore, on va le compter de 1 à 3. Ou bra lever ou bra prier en d'autres langues et puis bra le bord quelques secondes et puis après ça prend droit marcher prier ya wap dit dans cœur et bien Seigneur aidez-moi comprendre ça que m'a dit et quel que soit ça qui vient dans pensée ou là commencez prier devant mon Dieu est-ce que l'église commence à m'a dit hein quel que soit ça qui vient dans pensée ou commencez prier devant mon Dieu 1 2 3 nous lever commencez prier commencez pas mais prier clap and pray clap and pray. Rabasoko rebatakataya, ribashakataya, tako rabataya, rebete boko shakataya, rabakusha takata, semakura takataya, rabakata bashakata, samakure keteya, semakata bashokota, rabakite bereboshata, kemashakataya, ribatakataya, emashakataya, c'est moi-même qui sauveur. C'est moi-même qui rédempteur. C'est moi-même qui a poteau en bazel. C'est moi-même qui a marché avec. Seigneur, me remercie parce que c'est rédempteur. Seigneur, me remercie parce qu'on va marcher avec. Seigneur, me remercie parce que c'est protecteur. Seigneur, me remercie parce qu'on va garder devant. Seigneur, me remercie parce qu'on va garder derrière. Ah, au nom de Jésus de Nazareth. Imako rabati kadabashata kaye. Rebakata batakata. Imashorikata. C'est ma carabata. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, dit l'Éternel, nul ne tiendra devant toi. Moi déclaré tout autant ma vie. Pas de cap campé devant. Moi déclaré tout autant ma vie. Pas de puissance cap campé devant. Moi déclaré tout autant ma vie. Pas de autorité cap campé devant. Moi déclaré tout autant ma vie. Pas de force cap campé devant. Moi déclaré tout autant ma vie. Pas de baka cap campé devant. Voilà, peine à minute ça. Oh yes!
Au nom de Jésus. Le nom de Dieu, gloire. Say glory. Est-ce que quelqu'un qui commence à comprendre ça l'affaire là? Is anybody understanding? Est-ce que quelqu'un qui commence à comprendre? Are you starting to understand? Est-ce que quelqu'un qui apprend l'autre niveau là de la prière? Are you going another level in prayer now? Vous capable chita? You may be seated. Bon, huitième secret. Premier secret pour prier longtemps, c'est qui ça? First secret is what? Prier avec pied. Au deuxième secret. Second. Prier avec main. Au troisième secret. Third. Ok, prier la parole. Quatrième secret. Fourth. C'est qui ça? Prier à haute voix. Pray out loud. Cinquième secret. Fifth. Prier avec force. Sixième secret. Sixth. Prier la même parole. Septième secret. Prier en esprit. Huitième secret. Prier avec intelligence. OK. C'est ça, huitième secret. Neuvième secret. Prier avec focus. Pray with focus. Prier avec focus. Pray with focus. Prier avec concentration. Pray with concentration. Prier avec concentration. Concentration. Regardez qui ça la Bible dit dans Colossiens chapitre 3. Colossians 3. Le verset 2. Verse 2. Dans Colossiens chapitre 3. Le verset 3, 2. Verse 2. Regardez qui ça le dit. Look at what it says. Il dit, pensez à ce qui est en haut. Set your mind on things above. Pensez à ce qui est en haut. Set your mind on things above. Et non à ce qui est sur la terre. Not on things on the earth. Pensez à ce qui est en haut. Set your mind on things et above. Non à ceux qui sont sur la terre. And not on things on ça the earth. Veut dire qu'on va prier. That means when you're praying. Qu'on y a dans pensée. In your mind. Faut penser ou à prier. You must think you're praying. Et une bagaille qui doit passer, l'on va prier. One of the things that must happen when you pray. C'est pour penser ou élever. Is your elevated thoughts. L'on va prier. When you're praying. C'est pour oublier bagaille qui sur la terre. Forget about the things of the earth. Et puis pour commencer fixer ou sous bagaille dans ciel. And focus on things above. Est-ce que l'Église a dit ça m'a dit là? You hear what I'm saying? Faut commencer à oublier bagaille sous la terre. You need to start forgetting about things. Et puis, vous commencez à fixer sur les choses célestes. Donc, focus sur les choses spirituelles. Focus on spiritual things. Donc, bambou quelques bagages qui sont capables de nous prier. Let me tell you a few things that will help you to pour pray. Capable focus. In order to focus. Pour capable focus sur les choses spirituelles. To focus on prier. The spiritual things when you pray. Numéro un. Number one. L'heure à prier. When you're praying. L'heure à prier. When you're praying. L'heure à prier. When you're praying. Ou besoin consciemment tendre voix. You need to consciously listen to your voice. L'on a prié. When you're praying. Consciemment, l'on a prié tendre voix, tendre ce qu'on a dit pendant la prière. Listen to your voice and what you're saying while you're praying. Focus sur parole qu'ap saute dans bouche ou pendant la prière. Focus on the words that are coming out of your mouth while you're praying. Le fait que ou focus sur parole. The fact that you focus on the words. Que ou pendant la prière. The words that you're saying while you're praying. Il fait deux bagages. Two things happen. Numéro un, number one, li éviter esprit ou vagabonder. It avoids your spirit from parce que sou wandering. Pas focus sou parole kap sot nan bouche ou if you're not focusing on the words coming out of your mouth, parler, your mouth might be talking et puis pensez ou vagabonder. And your thoughts are wandering. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là? Did you hear what I said? Si pensez ou if your thoughts pas connecté avec parole, are not connected with the words that you're saying, ou gen doit parler, you might be talking, et puis pensez ou vagabonder. And your thoughts are wandering. Lorsqu'on va prier, when you're praying, focus, tendez. Parole qu'on va dire. Focus on listening to the donc, words you're saying. Il permet que penser ou rester sous parole qu'on va prononcer. It allows your thoughts to remain on the words you're saying. C'est premier bagage. That's the first thing. Deuxième bagage que je fais. Second thing that happens. Lorsque on va prier. When you're praying. Et puis surtout lorsqu'on va prier la parole. Especially when you're praying Dieu the word. Se lève. God arrives. Ses ennemis se dispersent. His enemies scatter. Ses adversaires fuient devant sa face. Ou bien lorsqu'on va prier en esprit. When you're praying in the spirit. You're saying mysteries. Pendant qu'on attend des paroles. While you're listening to the words. On va fortifier l'esprit. You're strengthening your spirit. Parce que la Bible dit ces paroles sont esprit et vie. Are spirit and life. Pendant qu'on attend des paroles qu'on va prier. While you're listening to the words you're praying. La mettez vie en dans l'esprit. It's depositing life in your spirit. La mettez force en dans l'esprit. Force in your spirit. Renforcer ton homme intérieur. Reinforcing your inner man. Parce que vous focus sur ce qu'on va dire. Because you're focusing on what est-ce que l'église dans les amas de là? Il permet de rester concentré. It allows you to focus. Et il permet que l'esprit vous nourrir dans la prière. It allows your spirit to be donc, fed nous allons faire le même exercice là encore. Avec le neuvième secret. Vous allez lever, vous allez prier. You're gonna get up and pray. Vous allez prier en esprit. You're gonna pray in the spirit. Vous allez prier en esprit. You're gonna pray in the spirit. Vous allez prier en verset. Mais pendant à prier en esprit, vous ne pouvez pas prier le psaume 68. Quel que soit ce qu'on décide qu'on fait. Whatever you decide bon, to do, pour tendre, so you're going to take the time to listen to what you're saying. Parole, and let the words you're pronouncing strengthen your soul. Let them bless your soul. Pas while you Does everybody understand est-ce what I'm saying? Is that understood? Pour tendre, prière, qu'on va faire. Take the time to listen to prayer praying.
2, 3. Enlevez capé, commencez à marcher. Et puis prononcez parole ça. Pas de prononcer parole ça. Pas de soif dire. 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 Attendez. Pas de voix. Pas de voix. Pas de voix. Amakora batakata shakatai. Rebatata bakorebetekata. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires frappent, frappent, frappent. Oh yes! Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Vous êtes capable de chita. Combien de secrets m'a ou là? Bon. 9 secrets. 9 secrets. Dixième secret. The 10th secret. Ça qui est important. This is important. Dixième secret qui est important. 10th secret, which is important. Pour capable concentrer, il faut attendre. To focus, you must listen. Ça veut dire qu'il faut prendre contrôle aux oreilles. You have to take control pour capable concentrer. Donc, tu as des prières qu'on va faire. Listen to the prayer you're praying. L'autre bagage pour capable concentrer, ça mène dans le dixième secret. Hein? The next secret leads me to dixième the secret, one. On va prier pour prier longtemps. The tenth secret to praying long. Priez avec les yeux sur le trône. Pray with your eyes focused on the throne. Mm-hmm. Ça veut dire faut oreilles your ears concentrer must focus. Et faut yeux spirituels ou concentrés. And your spiritual eyes must be focused. Ça veut dire l'on va prier. That means when you're praying. Avec yeux de l'esprit. With the eyes of your spirit. Ouais, tête ou devant le trône de see Dieu. See yourself before the throne of God. Est-ce que vous entendez ça m'a dit? Did you hear what I said? L'on va prier. When you're praying. Avec les yeux de l'esprit. With the eyes of your spirit. Avec les yeux du cœur. With the eyes of your heart. Avec tes yeux spirituels. With your spiritual eyes. Ouais, tête ou devant le trône de Dieu. See yourself before the throne of God. La Bible relaie la prière. Le la Bible a parlé avec de, le la Bible a parlé de la prière. When the Bible is talking about prayer, il dit approchez-vous avec assurance. He says approach with boldness. Vers le trône de grâce. Towards the throne of grace. Approchez-vous avec assurance. Draw near with boldness. Vers le trône de grâce. Towards the throne of grace. Priez. When you're praying. C'est devant un trône qu'on parle. You're before the throne. Avec les yeux de l'esprit. With the eyes of your spirit. Faut ouais trône ça. You have to see that throne. Gardez le psaume 23. Le psaume 123. C'est comme ça David te compte prier. Le David t'a prié. Dans l'esprit, il te paraît devant le trône de Dieu. Regardez qui ça le dit dans Psaume 123. Il dit, je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Et si nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Donc, qui ça David dit? Il dit, elle a prié. Il dit, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Et si, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Les yeux que la parole a là, ce n'est pas yeux physiques. Parce que l'Éternel son esprit. Est-ce qu'on avait même? L'Éternel son esprit. Donc, yeux la parole a, ce n'est pas yeux physiques. C'est avec yeux spirituels. Et puis, il ouelle devant le trône de Dieu. Il ouelle devant celui qui siège dans le trône. He saw himself before the one who dans le moment que il a lapidé Étienne, la Bible dit qu'il était en prière. The Bible says he was praying. Et puis il ouait le trône de Dieu. He saw the throne of God. Il ouait papa qui chita au trône. The father et petit là qui campait à droite. And the sound donc l'on a prié. When you're praying, pour qu'on l'on a prié. When you're praying,
pour focus. You must be focused. Focus attention. Focus your attention vers le trône de Dieu. Towards the throne of God. Dans yeux. In your eyes. Dans pensée. In your thoughts. Dans imagination. In your imagination. Dans pensée. In your thoughts. Well, devant le trône de Dieu. See yourself before the throne. Parce que c'est là qu'on est réellement. Because truly that is c'est where you are. C'est là qu'on est réellement. That's truly donc where ça you permet are. Que l'esprit ou pas vagabonder. It allows your spirit not to wander. Listen to the words you're saying. Et puis dans pensée. And in your thoughts. Focalisez sur le trône de Dieu. Focus on the throne of voici God. Comme les yeux des serviteurs. Behold the eyes of the servant. Sur la main de la mère. Et si master, nos yeux sont fixés sur toi, so jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Combien de monde qui est prêt pour vous fixer sur le trône? Pendant que vous allez prier à soi. Vous allez compter de 1 à 3. Et pour vous lever, vous allez frapper. Avec le psaume 68. Et puis pendant que vous dites ça. Et puis vous allez être tout devant toi. L'Éternel qui levé campé pour une minute ça. 1, 2, 3. Batman. Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève. Où est l'Éternel qui campe sous ton déclarez, 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 déclarez. Où est-ce qui campe devant le trône qui a prononcé ça? Où est-ce qui devant le trône? Où est-ce devant le trône? Même j'ai avec Étienne. Où est-ce devant le trône? Même j'ai avec Étienne. Même j'ai avec Étienne. Marche dans la marche dans la où est-ce devant le trône? Marche dans la où est-ce devant le trône? Frappez, 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 frappez. Déclarez ça, où est devant le trône? Quittez l'esprit ou sur le trône? Quittez l'esprit ou sur le trône? Quittez les yeux en l'air, quittez l'esprit ou sur le trône? Quittez l'esprit ou sur le trône? Quittez l'esprit ou sur le trône? Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Yes, yes, yes. Est-ce que m'a aidé mon assoir là? Am I helping anyone tonight? M'attendez non, est-ce que m'a aidé mon assoir là? Right. Pour nous frapper. Dans combien de secrets nous y là? How many secrets are we up to? Combien de baou déjà? How many have I given you? 10 ou bien 11? 10 or 11. 10? M'bon 10. Giving you 10. 11e secret. 11th secret. 11e secret. 11th secret. L'on va prier. When you're praying. 11e secret. 11th secret. Priez selon ce que vous voyez. Pray according to what you see. Priez pray selon ce que vous voyez. According to what you see. Remarquez qui ça Jésus dit dans Marc chapitre 14. Notice what Jesus says in Mark le verset 38. Verse 38. Le lap dit disciples pour prier. When he was asking the disciples to pray. Un pile fois nous dit priez, veillez. Oftentimes you say pray and watch. Mais est-ce que c'est ça la Bible dit? Is this what the Bible said? La Bible dit veillez. The Bible says watch et priez. And pray. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. So you don't fall into temptation. Car l'esprit est bien disposé. Because indeed the spirit et la is chair willing, est faible. But the flesh is weak. Il dit veillez et priez. He says watch and pray. Maintenant ça veut dire veiller. What does it mean to watch? C'est pas prier veiller mais c'est veiller prier. It's not pray and maintenant watch, ça veut dire veiller. What does watch mean? Gen moun qui pensait que l'elle dit veiller ça veut dire pendant ma prière pour me quitter j'ai mouvert pour pas mon coup de marteau dans tête. Some people think when they say watch to keep their donc on a prié puis dès j'ai le calé il dit m'a veiller. They keep their eyes open to see. Veiller Jésus a parlé, c'est pas avec jeu physique ou fait. The watching Jesus is saying it's not veiller la parler ça avec esprit ou fait. He's talking about your spirit. Regardez verset encore. Il dit veiller et puis prier et puis regardez qui ça dit, il dit l'esprit. He says the spirit est bien disposé. Is willing. Veiller que la parler the watching he's talking about. C'est une activité de l'esprit. It's an activity of the spirit. C'est un exercice de l'esprit. It's an exercise of the spirit. C'est avec esprit ou qu'on veille. It is with your spirit that you watch. Habakkuk dit. Habakkuk said. Habakkuk dit. Habakkuk le prophète dit. The prophet Habakkuk said. J'étais sur mon trône et je veillais. I was on my throne and I watched. J'étais sur mon poste et je veillais. I was at my post and I watched. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2. J'étais sur mon poste et je veillais. I was on my post and I watched. Esaïe dit. Isaiah said. Lui dit moi fais nuit là à veiller. I spent the night watching. Ça veut dire à veiller. What does it mean to be veiller watching? Signifie to be watching means pendant à prier. While you're praying. Pendant à prier. As you're praying. Pendant à prier. While you're praying. Tout sens où
All your senses. Tout sens spirituel ou besoin en éveil. All your spiritual senses need to be awakened. Pendant à prier. While you're praying. Ou à voir des choses. You will see things. Pas avec yeux physiques. Not with your physical eyes. Dans l'esprit. In your spirit. Pardon à prier ou à voir des choses dans l'esprit. While you're praying, you will see things in pardon your spirit. Pardon à prier ou à entendre des choses praying, dans l'esprit. You will hear things in pardon your spirit. Pardon à prier ou à sentir des choses dans l'esprit. While you're praying, you will feel things in your et spirit. Et ces bagages, ça y est, pendant à prier. Those are the things while you're besoin praying. Besoin prêter attention that avec. You need to pay attention to. Parce que pendant à prier, because while you're praying, ou bien doit voir une image paraît. You may see an image show up. Et puis image qui paraît là signifie un bagage. And the image might mean something. Donc si pendant à prier if while you're praying, et pour garder ouais, une image flashy, and an image flashes before you, nous exemple, une fois, I gave you an example once. Ma prié, I was praying. Et puis garde ouais, un petit pied bois qui paraît. I saw a little shrub. Show par exemple là, là, un petit pied bois qui paraît. A little shrub. Pendant ma prié, while I was praying, mon petit pied bois qui paraît. I saw a little shrub. Et puis moi, et puis soudainement petit pied bois flashé devant. And it flashed before me. Dit bon Dieu, qui ça le signifie? I asked God, what does it mean? Et puis même moment me songer verset ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Soudainement bon Dieu fait me comprendre que pied bois sont monde. God told me that the même tes pied bois en plastique. But I saw it was mandé bon Dieu pour qui ça en plastique? I said, God, why is it plastic? Parce que bon Dieu dit me comme ça, pied bois en plastique ça veut dire l'artificiel. Donc soudain mon bon Dieu dit m'va rencontrer avec comme un artificiel. Donc ça veut dire la prière moi. Il gon bagarre il fait moi. Donc cela veut dire moi-même. Comme ça veut dire ces bagages ça yo pour me veiller. Those are things I need to be watchful of. Ça veut dire bon Dieu qu'on y a commencé orienter prière. God starts to orient my prayers. Lorsqu'on prie par l'esprit. When you're praying in the spirit. Ou pas ou pour que j'aime connaître qui côté prière a you never know where the prayer is going, where it's going to end up, which direction it's going to take. Parce que pendant à prier, because while you're praying, pendant prier à comment, pendant commencer chauffer dans la prière, while you start to get warmed up et puis in prayer, prier à commencer brancher, and the prayer is going esprit up, ou commencer ouvert, your spirit will be open. Ou bral commencer ouais des images. You'll start to see images. Ou ka ouais figure moun. You may see people's faces. Ça veut dire ça son moun ou besoin intercéder pour lui. This is the person you need to intercede for. Ou ka ouais une image qu'on comprend ou bien pas comprendre. You may see an image you understand or not understand. Vous comprenez ou à prier selon son comprenant. Si vous pas comprendre, ou à demander compréhension. Est-ce que vous allez ça m'a dit hein? Nous songeons l'autre fois encore. Ma boy, l'autre image. Nous songeons une fois. Ça fait très très longtemps que j'ai commencé dans le ministère moi. Et puis pendant ma encore pendant sous chez ma prié. C'était première fois ça arrivé. Pendant sous chez ma prié. Pour mal préparer message. Et puis soudainement moi yon palmiste qui flashait devant. Suddenly I saw a palm tree. Même moi palmiste a déraciné. But it was uprooted. Et puis demande bon Dieu ça veut dire. I asked God, what does this mean? Et puis bon Dieu dit même Jean palmiste qui a racine qui profonde. The Lord says just like the palm tree that has deep roots. Gen moun ki la ki gonseye de malédiction générationnelle qui gen racine yo profonde. There's some people here with ça veut dire ça c'est malédiction qui enraciné sur des générations. They've been there, the curses have been there for generations. I'm going to set them free tonight. Et cette soirée là te gen délivrance extraordinaire qui te fait. There was amazing deliverance happening. Si gen moun ki te songe témoignage sœur sur Magali, etc. Donc, nous t'ai songé ça. C'était dans la soirée, ça y est. Bagasse, ça va commencer avec famille. Un pile témoignage de fait. Ça veut dire, lors de prier, prêtez attention à son ouais. Prêtez attention à son tendé. Prêtez attention à son senti. Est-ce que l'église comprend ça, m'a dit là? Ça veut dire, lors de prier et puis. Soudainement, ouais, des images. When you're praying and you see images, soudainement, entendez des choses. And you hear things suddenly. Soudainement, senti des choses. And you feel things suddenly. Soudainement, gon fardeau. Suddenly, you have a burden. Ces bagages, ça y est, la Bible dit, vous besoin veiller. Those are the things that the Bible says. Veillez d'abord. Watch first. Et puis qu'on y a prié. And now pray. Veillez qui ça, bon Dieu, abdou en esprit. Watch what God is telling you. Veillez qui image la mettez dans l'esprit. Watch what images He's giving you. Veillez qui parole la mettez dans l'esprit. Watch what veillez qui verset la mettez dans l'esprit. Watch what verses He's giving you. Et puis orientez prière.
can orient your prayers direction ça. Towards that direction. Donc prière que doit commencer une prière normale. Prayer might be an ordinary prayer. Et puis vient tout, vient une prière prophétique. And it turns into a prophetic prayer. Ça veut dire bon Dieu guide des prières. That means God is guiding. Est-ce que l'Église t'a dit ça m'a dit là? Do you understand what I'm saying? Levez-moi à l'aide gloire. Raise your hand and say glory. Levez-moi à l'aide gloire. Say glory. Levez-moi à l'aide gloire. Say glory. On va le compter de 1 à 3. I'm gonna count 1 to 3. On va commencer prier. You're gonna start quel to que pray. Quel que soit ça qui vient en pensée. Whatever comes to mind. Quel que soit verset qui vient. Whatever verse comes up. Quel que soit image qui vient. Whatever image you see. Quel que soit non monde qui vient. Whatever names you hear. Quel que soit feeling qui vient. Whatever feelings you feel. Priez sous l'île dans une minute ça. Au nom now, de Jésus. In Jesus name. 1, 2, 3. On va se lever, marcher pas de main. Walk class. Marcher levé pas de main. Walk in class. Prie en esprit dans une minute ça. Right. Et puis n'importe ça qui vient. Prie en esprit quel que soit ça qui vient. Et puis qu'on a commencé à prier dans la direction ça. Akaro boshakata sakara bayatakaya. Rebataka shakataya. Rebata barabako rebitaya. Seigneur, nous remercions dans la minute ça. Parce qu'on met ton échelle dans la salle. Remercions parce qu'on met ton échelle. Remercions parce que l'échelle de Jacob dans la salle. Ça. Remercions parce qu'on va monter avec mon assoit. Remercions parce qu'on va prendre dimension avec mon assoit. Même Jean-Jacob, tu as l'échelle, ça qui est arrivé dans le ciel. Nous remercions parce qu'on va prendre dimension avec un pile. Nous remercions parce qu'on va prendre niveau en pile. Nous remercions parce qu'on va monter haut en pile. Seigneur, nous remercions pour ça. Au nom de Jésus. En nous dit gloire. Glory! 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 Hallelujah! Hallelujah! Est-ce que ça va? Is that all right? Est-ce que ça va, chers amis? Is that all right, dear friends? Combien points bas nous déjà? How many points have I given you? Bas nous 11. Où est 11e point bas nous? The 11th tip I gave you. 11e point bas nous. The 11th. C'est un point qui plus important. It's one of the most important tips. C'est un point qui plus important. It's one of the most important. Veillez, priez. Watch and pray. Ça veut dire l'on va prier. That means when you're praying. Puis go prier avec yeux spirituels ou fermés. Don't pray with your spiritual eyes open. Puis go prier avec oreilles spirituelles ou fermées. Don't pray with your spiritual ears closed. Puis go prier avec sens spirituel ou fermés. Don't pray with your spiritual senses closed. L'on va prier. When you're praying. Prier avec tout sens spirituel ou en éveil. Pray with all your spiritual senses awake. Puis tes yeux spirituels ouverts. Keep your spiritual. Quittez oreilles spirituelles ouvertes. Keep your spiritual ears open. Quittez sens spirituel ouvert. Keep your spiritual senses open. Sensations spirituelles ouvertes. Quittez tout sens ouvert. Keep your senses open. Et puis, Jean bon Dieu, dirigez-vous en prière. And as God directs you in your prayer. Suivez direction ça. Follow qui est extrêmement important. Which is extremely important. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Très très important. It's very important. 12e secret. 12th secret. Ça va? Is that all right? Le premier secret, c'est qui ça? First one was what? Est-ce que nous l'avons toujours? Est-ce que nous fatigués? Est-ce que nous dormons au moins? Are you sleeping yet? Premièrement, prier qui ça? First, pray what? Pied ou deuxièmement, prier avec ça? Pray with. Troisièmement, prier. Quatrièmement, prier. Cinquièmement, prier. Force. Sixièmement, prier. Les mêmes paroles. Septièmement, prier. En esprit. Huitièmement, prier. Avec intelligence. Neuvièmement, prier. Avec focus. Dixièmement, prier. Avec les yeux sur le trône. Onzièmement, prier. Selon ce que vous voyez. Et douzièmement, ça simple, mais important. What is important. Pour capable prier longtemps. To pray long. Prier pour les autres. Pray for others. Prier pour l'autre monde. Pray for other people. Matthieu chapitre 6. Matthew 6. La Bible dit, l'on a prié. The Bible says, when we're dit praying, notre Père say, our Father, qui es aux cieux, who art in heaven, que ton nom soit sanctifié. Hallowed be our name. Notre Père. Our Father. L'on a prié, pas dit mon Père when you're praying, don't say, my Father, qui est aux cieux. Who art in dit heaven. Notre Père say, our qui Father, es aux cieux, who art in heaven, que ton nom soit sanctifié, be your name, que ton règne vienne, thy kingdom que ta come, volonté. Thy will be done. L'on prié pour papa nous. When you pray for ça veut our dire, Father, l'on a prié. Toujours songer qu'on fait partie d'une grande famille. Always remember you're part of a great family. You have brothers et aucun sœur. And you have sisters. L'on a prié. When you're praying, pas oublier frère ou yo. Don't forget about pas oublier sœur ou yo dans la prière. Sisters in prayer. Donc l'on a prié. So when you're praying, on a dit Dieu se lève. You're saying, God arise, ses ennemis se dispersent. His enemies scatter. Et ses adversaires fuient devant sa face. His enemies flee before him. Après fin prier pour tête ou. After praying for yourself. Et puis yourself, on a faut commencer dit Dieu se lève. You have to say God arise. Ses ennemis se dispersent. His enemies scatter. Seigneur, mando au nom de Jésus. Lord, I ask in Jesus' name. Tout ennemi frère. Every enemy of ou my si brother, non frère, you call your brother's si name. Non mari, you name your husband. Si non petit, you name même your children. Fait pour tête, the same prayer for yourself. Pour monde, you pray for others. Ou fait pour frère, you pray for your brothers. Ou pour soeur, you pray for sisters. Pour pasteur, for your pastor. Ou pour zone. For the est-ce others. Eh bien, donc,
sous printemps après fin prier pour tête if you take the time to pray for yourself, madame you pray for your wife, ou prier pour petit you pray for your children, ou prier pour monde qui na HP ou prier pour pasteur ou prier pour maman spirituelle ou prier pour cousin ou prier pour cousine ou ka fon journée à prier you may spend the whole day praying ou pas manquer parole pour prier you won't be no shortage prière of words égoïste a selfish prayer une prière qui limitée is a limited prayer mais une prière quand on inclut un paquet de monde là-dedans when you include others on doit faire journée à prier. On doit faire journée à intercéder. Et puis ça qui est belle encore, on va prier pour l'autre monde. Quel que soit son mandat pour eux, eh bien, le répond divin joint-nous encore. Vous entendez ça, Mabdoula? On va prier pour l'autre monde. Son mandat pour eux, il répond divin joint-nous. La Bible dit quoi ça? Abraham n'a pas de petit. Dans Genèse chapitre 20. Et puis l'Éternel voyait là le prier pour Abimelech. Il dit prier pour Abimelech. Pray for Abimelech. Pour lui-même, pour madame, for him and his wife. Pour bête li gagne pour yo capable gen petit. So even their animals Monsieur will have pour Abimelech. He prayed for Abimelech. Dans Genèse chapitre 20 au dernier verset. In the last verse of chapter 20. Dans prochain chapitre là, chapitre 21. The next chapter, chapter 21. Dans verset 18, li prier pour Abimelech. 18, he prayed for Et puis dans Genèse chapitre 21 verset 1. Regardez pour dans Genèse chapitre 20, il prier pour Abimelech. Mais dans Genèse chapitre 21 verset 1, la Bible dit et l'Éternel se souvint. And the Lord ce qu'il avait dit à Sarah. Dans chapitre 20, il priait pour Abimelech fait petit. Dans chapitre 21, l'Éternel visitait. Ça veut dire prier, il était fait pour Abimelech. Bon Dieu fait monsieur venir bénéficier dans prier. Ça veut dire l'on prier pour l'autre monde. C'est pas tant qu'on gaspille. Quand on prier pour l'autre monde, toute grâce qu'on demande pour l'autre monde. Bon Dieu a multiplié. Et puis il a retourné le vivre. Levez-moi à l'aide de And say glory. Dis gloire. Say glory. Dis gloire. Say glory. Est-ce que quelqu'un monde qui apprend quelque bagage soir? Did anyone learn anything? Est-ce que quelqu'un monde comment qui apprend comment pour prier long? Did anyone learn how to pray devant long? Devant le trône de Dieu. Before the throne au nom of God, de Jésus. In Jesus Alléluia. Levez campé kounya. Nous allons faire quelques prières kounya. We're going to pray some prayers now. Entrer, nous allons faire quelques prières. We're done training. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus name of Nazareth. On va prier de façon ça. You're going to pray this way. On va prier pour tête. You're going to pray for yourself. On va prier pour l'autre monde. You're going to pray for others. Au nom de Jésus. In Jesus premier verset que nous allons prier kounya. First verse we're going to pray now. Dans Josué chapitre 4 verset 23. Josué chapitre 4 le verset 23. En nous tous lisons ensemble. Il dit car l'Éternel votre Dieu a mis sec devant vous les eaux du Jourdain. L'Éternel a mis sec devant vous les eaux du Jourdain. Alléluia. Alléluia. Levez mes droites en l'air, on va répéter parole ça. Raise your right hand, you're going to repeat this. On va répéter pour apprendre. You're going to repeat them to learn them. Et pour prier avec toute force on apprend. Pray with all your might afterwards. Dis même Jean Joudain, hein, tes femmes devant Josué. Bon content de. Dis même Jean Joudain, tes femmes devant Josué. Songez pour focus lui pendant dire ça pendant focus while you're saying so pendant dire ça qui tes yeux fixés sur les choses d'en haut commencez ouais Jourdain ça cap fond devant Josué dis même Jean Jourdain à tes fans devant Josué dis même Jean Jourdain à tes fans devant Josué même Jean Jourdain à tes fans devant Josué moi fan toute l'eau qui empêchait me passer au nom de Jésus. Même Jean Joudain à tes femmes devant Josué. Moi, fan toute gros de l'eau qui empêchait me passer au nom de Jésus. Même Jean Joudain à tes femmes devant Josué. Moi, fan toute gros de l'eau qui empêchait me passer au nom de Jésus. Qu'a-t-il pour grand tout? Sainte montée bureau, bam force. Six concentrés. Perfection. Même
frappé. Répétez ça, répétez ça, répétez ça. Répétez ça, répétez ça, répétez ça. Déclarez. Au nom de Jésus de Nazareth, même Jean-Julien était fan devant Josué, nous fan toute boîte de l'eau qui a péché nous passer. Au nom de Jésus de Nazareth, même Jean-Julien était fan devant Josué, nous fan toute boîte de l'eau qui a péché nous passer. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Seigneur, nous déclarer, même Jean-Julien était fan devant Josué, nous déclarer, c'est pour Judéa, c'est pour le fan devant papa spirituel, c'est pour le fan devant mon bipat. Au nom de Jésus de Nazareth, toute boîte de l'eau qui a péché. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'amenons, c'est pour fan à soi. Au nom de Jésus de Nazareth, toute votre l'eau qui a péché, papa spirituel passé, toute votre l'eau qui a péché, projet ultime de passé, toute votre l'eau qui a péché, travail ça avancé, toute votre l'eau qui a péché, radio chez qui l'a percé, toute votre l'eau qui a péché, 40 jours ça pour la dimension. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'amenons à soi. Fan à deux, fan à deux, fan à deux. Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Pas de monde qui a bum la main montée pour bien passer. Pas de monde qui a bum la main montée pour bien passer. Pas de monde qui a bum la main montée pour bien passer. Levez mes doigts en l'air. Dis-moi, déclarer. Moi, déclarer. Même plus fort. Passez toute force. T'as fait force avec. Moi, déclarer. Moi, déclarer. Moi déclarer, même plus fort, passez toute force, qu'a fait force avec. Moi déclarer, montez avec moi déclarer. Moi déclarer, moi déclarer, même plus fort, passez toute force, qu'a fait force avec. Un, deux, trois, frappez. Bam, 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 déclarer.
déclare la salle là. Je déclare. Même plus fort. Mais Patricia, plus fort. Mais frère Josué, plus fort. Mais Aïe, plus fort. Mais Chanel, plus fort. Mais Chanel, plus fort. Passez toute force. Mais docteur Kader, plus fort. Passez toute force. Frappez. Mais nous plus fort, parce que toute force, t'as fait force avec nous. Au nom de Jésus de Nazareth, Qui va nous, de ces taureaux, qui t'empêche de voir nous, de
Levez-moi et dis gloire. Say glory. Dis gloire.